Personne ne va le voir, ça. Normalement, non. Le bilinguisme. Ich fand es total faszinierend von Anfang an und immer noch, dass zwischen beiden Sprachen Deutsch-Französisch jongliert wurde und auch französische Sätze angefangen wurden und dann mit Deutsch beendet wurden. Toll. On peut se parler en fait spontanément en français ou en allemand. C'est très agréable quand parfois on a un mot en allemand qu'on ne peut pas dire en français et inversement. Le mot le plus emblématique à mon sens c'est le mot Spaß qui n'existe pas en français. Donc ça arrive parfois à ce qu'on ait des phrases un peu biscornues mais tout à fait rigolotes. Ce qui m'a le plus marqué positivement c'est la bienveillance et la gentillesse des collègues. Ich fand es sehr angenehm, wie hilfsbereit die ganzen Kolleginnen und Kollegen waren, wie toll das Arbeitsklima war und ich fand es einfach schön, wie toll verschiedene Kulturen zusammenarbeiten können. C'est que pas mal de collègues étaient là depuis très longtemps, je crois certains depuis 35 ou 36 ans. Et ça, j'avais pas eu l'occasion de voir ça dans d'autres postes que j'ai pu faire avant, donc je trouve ça vraiment chouette. War das eine Kollegin im DFB seit 37 Jahren arbeitet, genau in dem Jahr, als ich geboren bin. Sehr gut. Als ich ankam 2011, noch keinen Webmaster gab. Ich war der allererste Webmaster, was natürlich im 21. Jahrhundert doch recht ungewöhnlich war. Moi, j'imaginais vraiment l'Ofage comme un truc où les gens sont en costard, cravate, tailleur, et les gens étaient habillés normalement. Et ça, ça m'a marqué parce que je suis arrivée, tous les jours, je m'habillais trop bien. Ich fand es von Anfang an sehr beeindruckend zu sehen, mit wie viel Herzblut die Kolleginnen und Kollegen bei der Sache sind. Die meisten identifizieren sich wirklich sehr stark mit diesen Zielen und dem Auftrag des DFJW. Das verbindet uns alle. Ce qui est très marrant et on se rend assez vite compte quand on travaille à l'Ofage, c'est qu'un Allemand est plus français qu'un Français et une Française est plus allemande qu'une Allemande. Ceux qui répondent au cliché d'être toujours à l'heure, eh ben c'est pas toujours les Allemands. Il y a des Français bien plus en retard que d'autres Allemands, mais c'est ça qui est très intéressant. J'aime bien dire qu'on travaille entre Frallemands.